un ticket pour branlette dans un parc. J'ai beau retourner ça de tous les côtés, je vois pas pourquoi cet acte se fait très divers. Loin du crime de guerre ferait la première page, à moins que ce qu'on cherche c'est nourrir la soif des gens pour le lynchage. Les mesquineries font vendre la copie, les bassesses font recette. Ticlin se réjouit quand on humilie les stars et les vedettes. Oui, ça le console que sa vie soit dolle, sans que jamais il se permette la moindre écartade, par peur des brimades et de crainte qu'on le rejette. Faut-il être naïf et manquer de pif pour croire que les journaux ne feraient pas faillite sans tous ces gros titres qui excitent les badauds? Oui, il faut qu'ils versent dans la controverse et le divertissement du sensationnel plus que de l'essentiel. C'est ça que veulent les gens. Aurait-on fait tout humble si c'était un gros nom de TVA qui s'était branlé devant un policier dans un quelconque sous-bois? Grâce à Convergence, quand la concurrence se met les pieds d'un plat, compte sur Québécois et ses matamores pour en faire leur chou gras. Si un beau dimanche, perché sur une branche comme un pigeon d'un arbre, je vois le reporter qui a sorti l'affaire et que je l'arrose de marde. J'espère que conscient que cet incident est d'intérêt crucial, il en fera étalage sur la première page du journal de Montréal. Avec un cliché de son crâne beurré par la matière fécale, pour que désormais, on ne le voit jamais sans penser à de la mort. À Rio de Janeiro, il y a un carnaval. Les femmes dansent dans les rues à moitié à poil. Mais aujourd'hui, pour se rincer l'œil, il y a bien mieux qu'à Rio. Ontario, vive l'Ontario! Flamand des montagnes délaisse les cantons de l'Est. Il monte dans son auto et part pour l'Ontario. Maintenant, que les juges ont parlé, les collines qu'on y watch valent bien les Appalaches. Prison à deux cellules, cloître de dentelle, cage pour jolie bulle, bureau des mamelles. Le soutien gorge enfin, mais plus recommandable, c'est un juge ontarien qui a trouvé le coupable. Moi, pour voir les progrès de la liberté, en Ontario je m'en vais habiter. Oh yeah! Groove the mind. Je suis allé à Ottawa pour voir Sheila Cops sans Wonder Bra. Wow! Quelle paire de seins! Quel rêve canadien! Le bout de ses tétons d'un rouge admirable était en forme de feuille d'érable. Aux communes sans rancune, Manning et Jean Chrétien, pour une fois font cause commune et bandent comme des chiens. Le président de la chambre se lève pour ramener l'ordre et tous voient que son membre est bien tendu sous ses shorts. À la base de ce mal, une armée de morpions. Vive le Canada, vive la Confédération. Sheila en a deux, un pour chacun de mes yeux. Un pour les députés, un pour les sénateurs, un pour chaque peuple fondateur. Sheila déboule comme aucune popole, la foule saoule déboule comme une meute de pitbull. Pour voir les si belles boules de la popole, la foule saoule ma boule. Où se trouverait Jean Boule, Roucoule, vive les boules sans cagoule de Kaboul. Et vive aussi les boules de Boula Abdoul. Sheila et Boula ont des bien belles boules, et la foule de Tamoul saoule de ces belles boules. Poigne des ampoules, ta boule à leurs yeux, Tamoul. Hey, you ugly Ontarian girls from Hearst, Timmins, London, Cape Biscay, Toronto, Cornwall, Ottawa, Shittown, Alexandria! Take off your motherfucking t-shirt and dance! Les tétons sont à l'air et nous
disons bravo au système judiciaire, aux juges et aux barreaux. Tout cela est de bon aloi, mais ce serait bien plus beau de donner aussi ce droit aux hommes de l'Ontario. Pourrons-nous donc un jour affranchir nos boulettes et aller faire un tour sans porter de bobette en Ontario? Yours to discover, à vous de vous découvrir. Quand il est revenu de l'Arabie saoudite, ne pensez pas que Couillard, en mettant le pied ici, était pour crier sur tous les toits qu'il en rapportait. Un agenda islamiste ultra-secret, admiratif des coutumes de ce pays, comme la flagellation et la polygamie. Couillard était convaincu de la facilité avec, il pourrait implanter de telles pratiques au Québec, surtout chez les libéraux qui n'auraient qu'à intégrer une touche d'intégrisme à leur peu d'intégrité. Sitôt au pouvoir, le ratoureux docteur, ne pouvant pas tout de suite couper la main aux voleurs, s'est rabattu sur les coupes dans les postes et les programmes, dans la plus pure tradition d'austérité de l'islam. Et ce n'est qu'un début, on verra prochainement toutes les femmes employées par le gouvernement être mises à la porte si elles ne portent pas le voile, ce qui va les contraindre au bien-être halal. Hydro-Québec, au lieu de distribuer du courant, va plutôt se mettre à distribuer le Coran. Ainsi, au lieu d'une lumière incertaine et profane, on aura celle du prophète qui ne connaît pas de panne. Devant l'ancien forum, la Plaza Alexignon sera rebaptisée la Plaza Alexision. On va voiler le rocher percé dont le trou énorme pourrait être source d'excitation pour les hommes. Toutes les SAQ seront converties en mosquées et tous les joueurs du Canadien seront repêchés en Arabie Saoudite, au Yémen et au Koweït. Et go Arabs, go! Criera la foule à tue-tête. Au lieu de s'abrutir en avant de la télévision, nos familles pourront assister à des lapidations. De niveau moral, on ne peut plus haut. Ah, ce sont de beaux jets de Pierre Moreau. Pierre Moreau? Poutine, la ceinture fléchée et le cheddar auront fait place au tagine, au couscous et au tchador. L'ayatollah Couillard escaladera jusqu'au sommet la tour du Parlement transformée en minaret pour déclarer le Québec république islamique, dont la charte des valeurs sera un mariage unique entre d'une part le halal et la charia et d'autre part le libéral et la mafia. Alors Gilles Vigneault, devenu un imam, va entonner Jean du pays et Tam d'Islam. Michel Rivard, converti lui avec, chantera pour sa part, je voudrais voir la Mecque. Juge d'après le peu que je connais des gens de Charlie Hebdo, si la chose se peut, ils ont tous dû se retourner dans leur tombeau. Quand les chefs d'État et les potentats, rois de la mascarade, sont venus parader pour la liberté suite à la fusillade. Parmi ces mangeux de marde, ils sont nombreux, ceux qui auraient mis en tôle les dessinateurs sur lesquels ils pleurent et qu'ils trouvaient même pas drôle. À tout le moins, souhaitons que ces oeuvres seront juste assez conséquentes pour bientôt redescendre dans rue pour pourfendre leurs propres agissements. C'est à ce point grotesque qu'on tomberait presque pas en bas de sa chaise si apparaissait le fantôme de Pinochet chantant la Marseillaise, répété en chœur par Adolf Hitler, Staline, Mussolini et Pétain scandon son nouveau slogan Travail, famille, Charlie.
voyant tout ça, je me dis tout bas, j'espère que si un jour un hostie de malade au nom du djihad me zigouille à mon tour, on va s'abstenir de me faire subir, en plus d'une mort s'idole, le deuxième outrage d'hypocrites hommages de tous les hosties de guignols. Comme si c'était pas assez d'être assassiné par de pauvres cocombes, je ne veux pas entendre le cœur des ma tante chanter « Je suis mon oncle » et que les critiques qui me trouvaient pourri trouvent soudain des mérites à mes textes cabreux, mon humour graveleux et toutes mes tonnes de bites. J'en suis presque triste, tant d'autres chats à fouetter qu'un chanteur de marde que tout le monde regarde comme un Christ attardé. Je crèverai donc comme un pauvre mononcle au foyer de vieillard, la couche toujours pleine grâce à ma vieille graine, loin des Allah Akbar. La couche toujours pleine grâce à ma vieille graine, loin des Allah Akbar. Hitler, deux noms qui inspirent la peur. C'est vrai que les millions de morts du dictateur font plus peur que les six morts du producteur de la fureur. N'empêche, les jeunesses ariennes chères à Hitler, grâce à qui ont repris leur droit à Radio-Canada le vendredi soir à 8h. Dès 7h, les banlieusards de Brossard, de Candiac débarquent tout heureux au studio 42. Une hôtesse, serait-ce elle ça, la louve des SS? Effectue le tri de la foule et envoie au balcon les tamoules, les lépreux, les grosses torches les plus moches. Tandis que plus bas, dans le champ des caméras, les gens montrables à l'écran se partagent le parterre. D'un côté, les belles ariennes, de l'autre, les bons ariens. La table est mise pour ce programme unique, retransmis en direct dans tout le Québec. Véronique apparaît et sa voix de nazi, naziarde, s'élève comme un signal, place à la bande. Elle n'a pas de Klaus Barbie. Klaus Barbie. Quelle douille, mais une chancellerie. Chancellerie. Oh, que c'est pas fin, au fond elle a bon cœur. Quand on la voit, on s'écrie en cœur. Reichsführer. Ce qui veut dire la fureur. Reichsführer. La Führer et tout le monde ensemble. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Deux gros Allemands, gardes du corps, précédaient le Führer dès qu'il allait quelque part. Tout comme Adolphe, dès que Véro fait une apparition, elle est toujours précédée de deux gros teutons. Ce show-off, tout pour faire chier, alors vas-y, c'est bon pour ton régime de Vichy. Régime de Vichy. Tu peux aussi lâcher des pets, hein? Pétain. Mais sois précis, sinon tu risques d'avoir une chemise brune. And you don't want to have a brown. Have a brown shirt. Reichsführer. La Führer. Reichsführer. La Führer. Tout le monde ensemble. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Pour moi, c'est trop d'émoi. Pour oublier que la fureur est là. Ce soir au bar, je bois ma paye. J'ai bu trois vins qui ne goûtaient pas pareil. Le premier était bouchonneux, le deuxième râpeux et le troisième Reich.
Montmorency et les chutes Montmorency n'ont pas plus rapport que Patrick Huard et la chute du Huard. Et Thérèse est une baquesse qui se fout que le dollar baisse. Alors je baisse mes Levi's et baisse cette baquesse épaisse. Mais dès que Max Morse au giclé entre ses rêves, je repense au dollar et je panique soudain. J'ai beau essayer de l'oublier dans le sexe, rien à faire, la chute du dollar me laisse toujours perplexe. Alors je cours au bureau de change et en moins d'un quart d'heure, je change toutes mes valeurs pour l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie la plus stable c'est l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, Canadian Tire, c'est la devise que préconisent tous les investisseurs. Je me branle très souvent devant un 20 piastres. C'est si bon de voir la reine et de lui venir d'en face. Puis je vais au dépanneur où travaille une belle adolescente et je paye avec la pièce, encore toute dégoulinante. Je m'achète une Molson Canadian parce que j'aime beaucoup sa broue et sa bouteille brune. Je me sac bien que le huard chute de seconde en seconde. Moi je n'ai que des billets de vin, je n'ai pas de pièces rondes. Mais surtout dans mon coffre-fort, caché dans ma demeure, il y a des pièces et des pièces et des pièces de pièces Canadian Tire. Canadian Tire, tu m'émoustilles. Je me sens tout mouillé comme une petite fille. Je frétille comme une anguille transpercée d'une aiguille. J'oscille comme une bille sur une allée de quilles. Dans ton grand stationnement, je suis rêvassant. Je pense à toutes les dépenses que je ferai en entrant. Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie la plus stable c'est l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, Canadian Tire, c'est la devise que préconise tous les investisseurs. Dernière, j'ai fait un rêve épouvantable. J'étais une pomme de terre de Saint-Amable, arrachée à ma terre natale, déportée à Montréal. Un gros camion me dompe à la station de télévision. Les caméras tournent, on fait jouer la petite toune, puis le bourreau fait son apparition. Oh non, c'est pas mon Dieu! La cruche m'épluche, la torche m'écorche, puis dans l'eau bouillante elle me plonge. Quel horrible songe! Je me réveille en sueur, je tremble de frayeur. Pour me remettre d'aplomb, je me traîne jusqu'au salon. Transi, je m'assis, j'appuie sur le piton, mais la malédiction. Oh non, c'est pas mon Dieu! En proie à la folie, je sors de mon logis et je me réfugie. Au dépanneur, au dépanneur, j'achète un Players King Size, mais à côté de la caisse, elle est là qui me guette à la une des convenettes. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, ma mondial. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, ma mondial. Fuck Terrencet, pis fuck des chandrons. Fuck you, fuck you, ma mondial. Des tartes aux fraises, elle fait des tartes aux framboises, elle fait des tartes qui nous enchantent. Elle a même déjà fait une tarte qui chante. M'en va chez ma mère, elle me fait une tourtière, elle me dit ça va être bon, j'ai pris ça à ma mendiant. Non, 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 comment fuir ma mendiant? Une seule solution semble sur la fuite dans les drogues. Je monte chez mon pocheur, je passe devant le club de danseurs. Qui sait que je vais faire la queue? Maman Dion s'en va voir des queues. Je drape deux, trois buvards, j'ai des hallucinations. Qui sait que je vois dans mes cauchemars? Encore Maman Dion! Non! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Maman Dion! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Maman Dion! Fuck de recettes, puis fuck des chandrons! Fuck you, fuck you! Si nous ne prenons pas nos précautions, si nous ne faisons pas attention, comme Maman Dion, Stéphane Dion, Lise Dion et Benoît Dion, un jour nous serons tous des Dion.
Luc Plamondon, Gérard Depardieu, le Dion, Mardion, Maître Dion, nous danserons des rigodions, jeudi, vendredi, samedi, nous danserons le disco Dion, nous ferons des manifestations, nous scandrons, non, 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 non à la mondialisation, non à la mondialisation, non à la mondialisation, 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 mondialisation. Fuck you! Fuck you! Si le capitaine et son équipage naviguent en paix sur la mer loin du rivage, c'est qu'ils sont heureux d'être sur les flots, pendant qu'en ville c'est la cohue chez les blaireaux. Des rues y'en a bien moins que d'habitude, chez le Ticotronman c'est la multitude. Au stade olympique y'a un cochon qui passe, dans l'arrière boutique y'a du cash qui s'entosse. Le bad trip du siècle, ah, le son était pourri. Le bad trip du siècle, ben c'était au stade. Le bad trip du siècle, man j'te le dis. Le bad trip du siècle, demande-le à Neighbor qui. Le gérant appelle son ami Donald pour trois soirs au stade olympique de Montréal. Donald se dit wow, les blaireaux vont mordre. Il annonce à radio, pis comme de fait c'est la horde. Il construit l'ire pour avoir d'argent, se lève à 5 heures et vont se crisser en rang pour être en avant quand le gros cochon va passer dans les airs attaché sur son cordon. Le bad trip du siècle, ah y'avait des lasers. Le bad trip du siècle, ah j'ai capoté. Le bad trip du siècle, hey man on était sur le parterre. Le bad trip du siècle, Gilmore était bien plus que lui. Après ressemblants qui sont pas minables, les vieux croutons plates retournent aux vestiaires. La foule est contente de s'être fait avoir. Les plus
plaire ou achète un chandail. Ils sont dans le métro parce que demain ils travaillent. Demain à job ils l'auront sur le dos. Pour qu'on sache enfin à quel point ils sont blaireaux. Le bad trip du siècle. Ah, le t-shirt des cœurs, hein. Le bad trip du siècle. Ah, sûr, c'est un peu cher, mais... Le bad trip du siècle. Ah, dans le temps c'était des fuckers, oh. Le bad trip du siècle. Man, leur meilleur show. Institution fort notoire se dresse en face de l'oratoire. Et selon ce qu'on nous rapporte, le frère André y a tenu la porte. Il fit un séjour aussi l'honorable Maurice Duplessis, ainsi que, mais c'est moins connu, un ancien membre du FLQ. Ah, le collège Notre-Dame, où le savoir se perpétue dans la droiture et la vertu des petits garçons bien vêtus. Ah, le collège Notre-Dame, où se transmet l'éducation dans l'amour de la tradition aux filles aux chastes intentions. Étant d'un naturel discret, je garderai dans le secret les cours d'ABC de médecine offerts dans l'eau de la piscine par de jeunes aspirants docteurs simulant leur futur labeur en tripotant l'anatomie de leurs plus frivoles amis. Ah, le collège Notre-Dame, où le savoir se perpétue dans la droiture et la vertu des petits garçons bien vêtus. Ah, le collège Notre-Dame, où se transmet l'éducation dans l'amour de la tradition aux filles aux chastes intentions. Bravo. Nous léguerons aux oubliettes les retenues du frère Godette, durant lesquelles les petits verras trouvés coupables de plagiat restaient jusqu'à des heures tardives dans les positions suggestives que le snoro leur faisait prendre en les couvant d'un regard tendre. Ah, le collège Notre-Dame, où le savoir se perpétue dans la droiture et la vertu des petits garçons bien vêtus. Ah, le collège Notre-Dame, où se transmet l'éducation dans l'amour de la tradition aux filles aux chastes intentions. De ce surveillant réputé que Marcel en fin de semaine rencontra au parc La Fontaine. Bonjour, lui lança Monsieur Bigrat, qui ne le reconnaissait pas. Tu m'as l'air d'un gentil garçon, viens avec moi dans les buissons. Ah, le collège Notre-Dame, où le savoir se perpétue dans la droiture et la vertu des petits garçons bien. Que je viens de vous raconter, vous tenez à voir le collège. Prenez la station Côte-des-Neiges, empruntez la rue Jean-Briand. Mais comme il y a des surveillants, vous devrez bien faire attention d'attacher votre dernier bouton. Ah, le collège Notre-Dame, où le savoir se perpétue dans la droiture et la vertu des petits garçons bien vêtus. Notre-Dame, où se transmet l'éducation dans l'amour de la tradition aux filles.
Montréal s'est donné des airs hollywoodiens pour cet événement. Le lancement du disque était gigantesque. Dans tous les pays de la planète ou presque, on voyait la tronche de la chanteuse plate. Et on l'entendait chanter toutes ses chansons plates. Ou bien sûr, la madame de la voix. Mais malheureusement, ça s'arrête là. Parfois, voyez-vous, ce n'est pas une question de goût. D'un point de vue strictement objectif, c'est merdique. La marde, c'est de la marde. La marde, c'est de la marde. Oh yeah. Marde internationale ou marde de Montréal. Marde qui gagne Félix ou qu'on voit jamais à la disque. La marde. C'est de la marde! Oui, monsieur! La marde! C'est de la marde! Chers auditeurs, je vous donne deux noms! Jacques Villeneuve et Céline Dion. À votre avis, qui des deux a donné au Québec les plus grands motifs de fierté? Moi, je dirais Jacques Villeneuve. Je dirais peut-être Céline Dion, moi. En tant que fille, je dirais Céline. Jacques Villeneuve éclipserait Céline Dion, mais Céline Dion va rester plus longtemps parce que c'est de l'art. À la question posée, moi, je réponds Jacques Villeneuve sans hésitation. Car si Céline Dion chauffait un char, ça serait pas long qu'elle se ramasserait dans le décor. Mais si Villeneuve chantait des chansons, ce serait sûrement moins pire que Céline Dion. Je dis qu'il danse dans ma tête. Je dis qu'il danse dans ma tête. Oh. Donc à honorer toute cette marde-là, on ferait bien mieux de donner l'or des galas. Un petit trophée à mon chien Fido pour tout ce qu'il laisse le long des poteaux. Parce que de la marde, c'est de la marde. De la marde, c'est de la marde. Marde internationale ou marde de Montréal. Marde qui gagne Félix ou qu'on voit jamais à la disque. Parfois voyez-vous, ça n'est pas une question de goût. D'un point de vue strictement objectif, c'est merdique. La marde, c'est la marde. La marde, c'est la marde. La marde, c'est la marde. Oh oui. Quand je fais ma gros pâte et que je suis bien fait, je t'ai quitté dans ma tête. Une chanteuse plate rêvait de gagner des Félix. Est arrivée en limousine au gala de la disque. Elle s'est donc appliquée à devenir insipide. Ce fut pour elle naturel et rapide. Son disque et son show d'ol comme ça se peut pas lui valurent une invitation au gala. Quand le taouin a sorti son nom de l'enveloppe, elle mouillait ses petites culottes. Quelle salope! Non, je n'irai pas au gala de la disque. Je me les glisse juste en bas du coccyx. Faux crise de trophée de tweet. C'était le boss d'une grosse compagnie de disques qui votait pour les prix de la disque. Il n'a pas écouté un seul des microsions ni vu un seul des shows en nomination. Ainsi font les gens de l'industrie. Ils donnent leur appui à leurs amis. Quand c'est un de leurs chums qui est gagnant, ils sont fiers d'être sa liste des remerciements. Non, je n'irai pas au gala de la disque. Quand ils ouvrent l'enveloppe de la catégorie pop, jamais ma poche ne plisse. Je suis déjà allé jadis au gala de la disque. J'ai bu du vin, j'ai checké les gros seins. J'ai mangé des sandwichs. J'ai croisé les gens les plus insignifiants et les chanteuses à grosses boules. Je me demandais en sacrement ce que je crissais dans cette foule. Après 3 heures de pur ennui, ben sous j'ai regagné mon taudis. J'ai dompé mon trophée dans le garage, drette dans le bac à recyclage. Non, je n'irai pas au planète. Pourquoi courir le risque d'user ses ménisques rien pour aller chercher un Félix? Non, je paierai pas les 100 piastres, c'est trop coûteux d'avoir sa place. On ne me verra pas la face à ce gars-là.
mieux vaut se payer une danse à 10 qu'aller au galop de la 10. C'était dimanche après-midi au Square Berry. La police procède à l'arrestation d'un Squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe les menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de pot. La police confisque la matière dangereuse. Puis après leur chiffre, ils s'en vont aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, ils se roulent un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Chaque fois que les bœufs avaient envie de stock gratis, le Squeegee se faisait arrêter par la police. Chaque semaine, il se faisait pincer avec du cannabis. Le juge lui a donc donné la sentence la plus triste. Le laveur de bite s'est ramassé en prison. Le juge est rentré fumer un joint à la maison. Et le lendemain, il sommes gardiens de nos valeurs. Partait en Thaïlande, se taper des petits mineurs. J'entends marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Le Squeegee en dedans essayait de passer le temps. Il a vite été incité à descendre d'un cran. C'est quelque chose de bien plus fort que la marijuana. Regardez, lui vendait pour arrondir leur fin de mois. Notre loser est mort d'overdose. Et pendant que le laveur de windshield repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de peine à leur chum de la mafia. Et comme c'est là, le pot génère des milliers d'emplois. J'ai gardé de prison les juges et les avocats. Hey! Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Le bien est de plus en plus absent de ce monde. La moralité recule à chaque seconde. Mais contre vents et marées, il subsiste un bastion où il n'y a ni racisme, ni haine, ni pollution. Chez McDonald's, aucune discrimination. Les noirs comme les blancs et les jaunes s'y remplissent le bedon. Les gens de toute race en harmonie mastique, rassemblés autour d'un cabaret en plastique. Et depuis que le clown vêtu de rouge et de jaune a renoncé à ses contenants en styrofoam, quand tu vas manger dans un de ses restaurants, tu poses un geste profitable à l'environnement. Y'a personne qui peut faire ça comme McDonald's. Y'a personne qui peut faire ça comme McDonald's. Le clown Ronald devance toujours tes pensées. Lorsque tu es à la fois affamé et pressé, tu entres au McDo, ton cœur exulte. Ton Big Mac déjà cuit est là déjà depuis plusieurs minutes. Y'a personne qui peut faire ça comme McDonald's. Toi à qui les bouquins inspirent une peur maladive, toi qui n'as jamais été plus loin que le quart de livre. Dans une société où le chômage est roi, il n'y a que McDonald's pour t'offrir un emploi. Tu es vêtu de loc, tu es un rebu. Ronald te passe la poque, tu vas en scorer des buts. Oh! Mais ce paradis pour les hommes qui ont faim est menacé et tire sans doute à sa fin. Car parmi ses employés circule une contamination, la pire qui soit, celle de la syndicalisation. Évidemment, ce ne sont pas là des emplois faciles. Mais la vie est une jungle où survivre est difficile. Dans un monde où l'on veut toujours tout cuit dans la bouche, McDonald's nous apprend à mériter le salaire qu'on touche. Donc, au plan culinaire comme au plan social, le clown Ronald propose un noble idéal. Moins de syndicats, plus de McDo, plus de travail et moins d'assistés sociaux. Regarde dans les cuisines du restaurant américain, ce sont en gestation les élites de demain. Y'a personne qui peut faire ça comme McDonald's.
Mais ce beau rêve, cette vision profonde, au soleil des conventions collectives, risque de fondre. Que vous avez pas compris, mais vous avez été élu l'employé de la semaine, mon oncle. Ah oui, bon, ben... Moi, je n'ai pas besoin d'accréditation syndicale, moi. Moi, je m'aime normal. Quand les derniers rayons du soleil meurent sous l'horizon, lorsque le roi du jour s'éclipse de notre ciel lourd, dans les bars on crie la scolle, dans les ruelles les gros chagnols, dans les rêves des jeunes vierges, la verge de Serge émerge. Profitons de cette diversion, les pics nous font bon. La nuit, les pics retournent chez Steve, le pic de guitare que les Français nomment Médiator. Ne va jamais prendre l'air qu'à la lueur des lampadaires. Au clair des constellations, il entame sa migration. Par les ruelles des égouts, il va au rendez-vous. Le bout de plastique de Quinzaine retourne rue Saint-Antoine. La nuit, les pics retournent chez Steve's. Chaque fois qu'il voit que les sacripants ont collissé leur camp, le guitariste en larmes reprend le métro jusqu'à Place d'Armes. La nuit, les pics retournent chez Steve. Tout guitariste honnête leur consacre son chèque de bien-être. Considérable de ce qui gagne autour de la table. Car la nuit, les pics retournent chez Steve's. Ils vont à la dérive et le courant les emporte jusqu'en face de la bonne porte. La nuit, les pics retournent chez Steve's. Quand il les voit rentrer chaque fois, le boss saute de joie. Le gros Steve est content de voir revenir son argent. La nuit, les pics retournent chez Steve's. La nuit. La nuit. La nuit, les pics retournent chez Steve's. Voici le royaume des hommes.
Si notre embarcation n'a jamais coulé, on en dira pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les Cayman des routes, voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez-les se pommer devant nos pets pis nos rats. Ici, on va pouvoir enfin écouler notre camelot, car les gargouillis les plus immondes, des sonorités les plus brunes, passent sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust dans les coquilles vides sur lesquelles on se veut pas. Oui, je chante pour les barons, je chante pour les cons, je chante pas pour les vols qui sont bonnes à l'école et qui portent des barniques. Nique, 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 nique. Je prends des hits, hits, hits pour les tweets, tweets, tweets. Je suis le Stevie Ray Vaughan de ceux qui portent des bonnets d'homme. La reine Elisabeth des analphabètes, le héros de ceux qui ont zéro, l'ayatollah de ceux qui gagnent fort, le messie de ceux qui ont pas compris, le gourou de ceux qui échouent, le grand Raoul de ceux qui coulent, qui ont du trouble, qui redoublent et qui n'ont pas inventé la poudre. Oui, je chante, je chante pour les morons, je chante pour les cons. Cool. Rentre chez lui le soir et se fait dire par sa femme: t'es fille, t'es con, t'es encore un poisson. Tu penses rien qu'à moi, ta vie c'est un désert. Et dans le désert, il n'y a pas de bière, pas de scotch ni de partner de brasse. Alors les yeux du gosse ferment pendant que sa femme argumente. Il s'endort et dans ses rêves y'a dans ses chums qui chante. Monster! En prend rien que d'amateur! Pas plus que deux! Corona! Ok, juste trois! Wildcat! J'arrête après quatre! Ego, 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 ego! Cinq ans! Bon, là, faut que je rentre! Tremble! Ah, et du coucher! Ego, 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 ego! Le cerveau, il s'en va au pharmacien qui rire un petit mot. Chemin faisant, notre homme recouvre lentement la forme. Ça tombe bien, le longe-vin. On reste pas d'une vieille. Et les blancs au comptoir m'en prend rien que Fliber. Là, faut que j'arrête. Goldstein. Oh, ben, le Robert. C'est dernier. Tu rentres pas de suite. Monte. Ego, 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 ego. Oh, là, faut que je me pousse. Pas rien à droite. Faut vraiment que j'y aille. Monte, dry. Ego, 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 ego. Et la bulle, ça vient de...
bière. Inspecteur, je me mets à table, j'avoue tout, je suis coupable. Cessez, messieurs les constables, de fesser sur mon être lamentable. J'ai une urgence, j'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin d'une sirène qui crie. J'ai la fièvre, j'ai besoin d'une paire de lèvres où mon gland puisse cracher du blanc. Parce que fourré, c'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, je lui obéis. Que la Fédération des femmes et la Sainte Vierge me pardonnent, j'ai tout essayé pour rester dans les bornes de la bonne pensée socialement acceptée. Mais rien à faire, je ne suis qu'une machine à fourrer. Quand je vois une femme passer, j'aimerais bien penser à la noble créature que Dieu a créée. Mais non, je spot ses tatons, j'imagine sa pilote dans ses petites culottes, je veux tirer ma botte. Pitié, Monseigneur Turcotte, sortez votre goupillon. Chassez le démon de ce pauvre garçon qui me pourrait. C'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, j'ai lui envie la pourrait. L'autre jour, je suis venu pour forer Jacinthe Durand. Mais malheureusement, je suis venu avant dans mes souvenirs. J'ai passé le reste de la soirée à nicher sa plotte. À moi, jamais ravi, je n'étais pas assez hot. Depuis ce jour, quand je me crosse, je pense à elle. Je revois son vagin, ses seins et le rouleau de cotonnelle. Honteux, ridicule, je m'essuie. J'ai besoin de la poitrine ou de la nuit mouillée. J'ai besoin de forer. Sa rue Saint-Denis était dur. C'est la torture. Mes yeux brillent, c'est plein de petites filles. Y'en a pas gros que j'ai pas le goût de fourrer. Mais pour faire semblant de passer à autre chose, à politique, aux grandes causes, aux handicapés, aux millions de familles. Mais en fait, des oreilles, il n'y a aucune idée. C'est l'idée de fourrer. C'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce monde est cette lettre qui veut dire sa mère. J'en suis l'esclave soumis, je lui obéis la fourrer. 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 Un jour j'irai dans le grand nord, où il n'y a que des renards. Tout sera paix, tout sera mort. Aux sommets de la terre, sur l'île de l'esprit. Au confin de la terre de ma fin. Pas de Stéphanie, de Fanny, de Mélanie, pas d'Isabelle. Pas tu es bien sans elle. Pas de pilote dans le permafrost. Pas de tour dans la toundra. Là-bas dans la froidure, marée des verdures. Va faire de la philosophie pis de la littérature. Va être bien loin. Pas de pitoune nulle part. Quand j'aurai de l'argent, m'en aller dans le nord. J'aurai plus de remords. Les couilles gelées pour l'éternité. J'aurai plus jamais envie de fourrer. Plus jamais envie de fourrer. J'suis allé à Woodstock en bouse, où chaque année je la débauche. Deux bananes et des bobettes dans mon pain.
à Woodstock plein de potes. Mais je voulais faire de quoi de plus rock. J'ai changé des deux bananes pour de pilules Humphrey. Comme on vole de trois pistoles, les cheveux longs, assis vol avec une barbe et mille capitoles, des Sex Pistols. Wow! C'était malade, débile, hallucinant. Sur le stage, j'avais mon oncle Serge. Je pense même que j'y ai vu la verge. Il faisait du bon de son ring avec un G-string. On y voyait le vacances du funky puis la pilule a embarqué. Wow! C'était high! Freak out! J'ai regardé! Regardé! Hey! Honesty is such a lonely word. Oh, yeah! Toute la nuit à Woodstock en bosse. C'était la débauche à toutes les sauces. Après, je faisais des braques avec des maniaques. Dans le bac, brossé au cognac, qui bossait en tabarnak. Cette année encore, si Dieu m'exauce. Retourner à Woodstock en Beauce, où on sent encore les yeux de la musique. On mange des chips, on fait des chips, on voyant crier, on ricoche, on sent sa pipe. On peut le mettre, on baisse, on s'y vont, tire une piste, il aime, on tombe dans des slips. C'est pas chic, chic, mais c'est ton intrip. Et bébé, bourra, c'est malade. Fuck you!
C'est la limite du moment qu'on nous désigne une zone interdite. À tout coup, on devient tout à coup excité à l'idée d'y risquer le bout du pied. Ah oui, là-bas, au-delà des bornes, se trouve un royaume étrange où foisonne le fun, le plaisir de contrevenir et d'être un instant l'ennemi du bien et l'ami des méchants. À go, on flush la modération, c'est la transgression. Jusqu'au petit matin, on va faire le party. Pis là, j'trouve ta lunette, t'as pas été invité. Y'a du sexe, ta drogue et du rock à foison. C'est la transgression. Faire des affaires que si ta mère les savait, elle serait bien fauchée pis elle te chicanerait. Fuck, c'est l'école, péter des tailleurs. Voler des réglisses dans un dépanneur. Faire un mauvais coup, fumer en cachette. Checker des revues de femmes tenues. Pitcher des boules de neige, c'est chaud qui passe. Faire sauter des pétons dans le fond de la classe. Qu'est-ce qui fait rire les petites filles et les petits garçons? C'est la transgression. Qu'est-ce qui va vous mériter des punitions? C'est la transgression. Y'a des affaires que le règlement interdit de faire. Pis juste pour ça, c'est le fun des fers. Et ce plaisir, ce petit frisson fripon, c'est la transgression. Mettre le pied de l'autre côté de la limite. Non, c'est pas l'accomplissement le plus difficile. C'est même à la portée de tous les imbéciles. Mais même si ça prend pas la tête à Papineau, même si c'est pas l'apanage des rois du ciboulot, n'empêche que par botte, ça fait un bien fou de faire un pied de nez à l'autre et au bon bout. C'est la mutinerie, tout le monde sur la peau. C'est la transgression. La brigade des morts, c'est sur nos talons. C'est que Dieu le curé nous pardonne ou non, c'est la moindre de nos préoccupations. Vive le péché, vive le démon, vive la transgression. La seule chose que nous chantons, c'est la transgression. Une panne en Saskatchewan, t'appelles la remorqueuse, pis tu t'en vas aux danseuses, toi. T'es ton pas d'encore et porte ta vanne, pis après tu te la femme, t'en parles pas à ta femme. Le soir, tu lui dis bonsoir, chérie, en pensant à tous ces mots, pis ton du que t'as vu aujourd'hui. En Saskatchewan, code régional 306, en Saskatchewan, y'a le musée de la police, il y a des Duncan, il y a des Tim Horton, dans les clubs vidéo, y'a des Charlie Chaplin. Y'a pas de show de Joran, ni de show de la chicane, mais y'a Stéphane Bureau, chaque soir à la radio. Saskatchewan, tu vas au sorcel. Quand le téléphone sonne, j'espère que c'est toi qui m'appelle. Quand je vais à Dorval, vois les avions qui s'en allent. Je rêve moi et aussi je pars pour les prairies. Alright, alright. Yes sir, yes sir. Oui papa, oui papa. Hi ho, hi ho. En Saskatchewan, y'a pas de français tellement. En Saskatchewan, il y a même plus d'allemand. Il faut rien von schnell. Und ich tue nicht mehr die Hein, Dein, Dein, Dein. Und zeige dir Hagen, dass ihr Heinstein. Bitte sein, fragen seinen Rafflein. Von der bleichen Feigen, Hund, der von der bleichen Heiden. Weil er von der Spiel, der Drogen, von der Dein, ich bin sonst ganz schon. Ein Pecken, Drogen, Lieben, Drogen, Lieder, ich und mein Geruch, Klärung, jetzt die Bildung, ihr Tag, der Wärmer, Wärmer, Bier. Und ob der Fest, ich und bring den großen Deck, ich bin in hier. Du schon mal und all meine Fieber, des Bein, mein Sohn, du Stark, aber noch, aus der Skatschowan. Aus der Skatschowan, ich hab ein guter Potas. Aus der Skatschowan, ich hab so du den Petas. Un jour, j'en avais spoté une et tenant pas compte, tu fais elle était un peu jeune. J'y ai-tu mon bébé, viens-tu avec moi, comme elle s'est sauvée, je n'ai pas pu mourir.
mal que Dieu a jeté sur l'Alberta. Je suis seul et je rêve au couloir du centre d'achat. Dans un motel d'Indien, je fume des cigarettes et d'autres choses que la loi n'ose encore permettre. Mes lèvres gercent, mon cœur bat, mais j'ai espoir, car tout à l'heure, quand il fera clair, j'irai trouver mes amis sur leurs étagères. J'entends leur call venu du West Edmonton Mall. Malgré que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit, au matin la Providence m'a conduit jusqu'ici. Dire qu'autrefois dans ces parages il n'y avait que des bisons et des sauvages. Aujourd'hui, les spéciaux ont remplacé les troupeaux. Les tam-tams se sont tus, on n'entend que la musique. Les parkings se remplissent de Honda et de Pontiac. Le soleil se lève et les visages pâles se ruent dans les couloirs du West Edmonton Mall. Oh yeah! Il y a tant de marchandises et de choses impossibles. Je vois des bateaux, des dauphins, je vois des submersibles. Je vois des requins, des guissoires, je vois des patinoires, je vois des manèges, un casino, des croupiers, des 20 000 endroits pour se stationner. Pourquoi tous ces objets et ce bien-être sont-ils là pour nous autres ou sont-ils les mêmes? Il y a beaucoup trop de monde, que c'est que je fais là? Je pense que je suis trop stone dans ce centre d'achat. Trop stone dans ce centre d'achat. Y'a du monde, I'm alone, j'ai faim et j'ai froid. Comme une mine prisonnière dans une canne de bois. Je suis trop stone dans ce centre d'achat. Dans la morne plaine, je suis mal rasé et j'ai mal à tête, je n'ai plus une scène. Les belles vendeuses font un détour pour éviter cette locumène. Je suis pâle et je râle au West Edmonton Mall. Je suis trop stone dans ce centre d'achat où j'entends de l'anglais, où j'entends des voix, où je vois des anglais qui me montrent du doigt l'air de dire t'es trop stone dans ce centre d'achat. Mais c'est vrai, je suis trop stone dans ce centre d'achat. Je vois des choses, mais je pense qu'elles n'existent pas. Je dis des choses, mais moi-même, je ne les comprends pas. Je mords avec des choses, mais je ne les paye pas. Je suis trop stone dans ce centre d'achat. Ils m'ont arrêté parce que je payais pas. Et je pouvais pas payer l'argent, j'en avais pas. Vont-ils me vendre? Vont-ils comprendre que je suis trop stone dans ce centre d'achat. Ah, voilà. Bon! À la déportation des Acadiens, les Anglais ont eu peur qu'avec trop de gros dans leur bateau, ils coulent dans les profondeurs. Ils n'ont donc emmené que les petites femmes, c'est plus sécuritaire de même. Laissant sur le rivage par crainte du naufrage toutes les grosses torches acadiennes. Après le grand dérangement, les grosses ont procréé, donnant naissance à de petites grosses qui elles-mêmes ont proliféré. Si bien qu'après deux siècles et quelques, grâce à la magie des gènes, on trouve encore un nombre record de ces belles grosses torches acadiennes. Sur la plage de Parley Beach, l'été, les touristes viennent. Ils n'ont pas besoin de prendre le bateau pour observer les cachalots. Thibaut et Thibaudot me l'avaient bien dit, si tu aimes les baleines, oublie ta douce sac, quand même ton backsack sur la péninsule acadienne. Oh yeah! Soir, j'ai
grosse torche de bouc touche. Je vous dirai pas quel morceau de moi que je lui ai pris dans la bouche. Ça l'a changé des poutines râpées, des bogos pis des hot chicken, qui sont les habitants les plus fréquents des bouches des grosses torches acadiennes. Malgré ce que j'ai dit avant, c'est pas qu'est-ce, je les aime. Elles aiment la vie, l'été elles font de l'ombre, l'hiver elles réchauffent ta cabane. Quand les belles filles de Montréal ne voudront plus de moi, ça me fera pas de peine de me saucer la graine dans une grosse torche acadienne. Oh yeah! Il est sauf! Mauvais jeu. Exactement, si c'est bien d'une mort naturelle, Walliard... Si la société Saint-Jean-Baptiste met tout son capital, tout son argent derrière la parade de la Saint-Jean-Baptiste, ben Rupp Narinsing, lui, met son argent, sans subventions aucune, pour organiser une espèce de love parade chaque année, le 1er juillet, pour célébrer le Canada. Il vient de loin dans la galaxie, aux frontières d'une autre. Quand son ovni est atterri dans ce pays, il fut ébloui à tel point qu'il s'est dit ça nous prend une parade pour fêter ça chaque année dans les rues de Montréal. Everyone. Le 2 juillet, je commence à compter 364 jours avant le défi. Janvier, février, mars, avril, mai. Plus le temps file, plus je suis fébrile. Au mois de juin, je ne suis plus brun. Le fruit de mes intestins est rouge canadien. But on July 1st, my heart burst. Mon cœur pète comme une bédaine pleine de bine. Car tout le monde signe le groupe marine. Groupe marine. Sur la rue Sainte-Catherine, oh, Rupna, 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 Rupna. Et tout le monde signe le Rupna. Il lance la boule, elle roule et tout s'écroule. Où Rostin n'a pas, le Canada gagne le championnat. Grâce à Rupna, 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 fou allié, devant lui nous fognier. Oh, Rupna, 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 tout le monde saigne le Rupna. Cette année, c'est Pierre et le loup qu'on voulait présenter. Mais les loups de nos jours n'ont plus la cote. A fallu remplacer le loup par un gros yacht. Et on a présenté Pierre Elliott et les Canadiens de toutes les origines ethniques. Saluait le passage des chars allégoriques. Il y avait des majorettes pour tous les pédophiles. Les trois autres chantaient en faisant la file. Oh, oh, Rupna, 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 de la cime jusqu'au fond de la mer. Oh, oh, Rupna, 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 et tout le monde signe le Rupna. Le Rupna Narine.
donc, vieux péquiste, fais-nous un beau petit somme. Dors sur tes astis de plan de nègre, pis tes référendums. Ronfle, renifle, fais des rêves horrifiques, des rêves unilingues anglais, d'argent pis de vote ethnique. Dors, vieux péquiste, dors. Dors, vieux péquiste, dors. Dors dans l'attente des conditions gagnantes. Dors, vieux schnock, dors comme mort. C'est extra-compte. On toujours en vos guerres, aux famines et aux
c'est chaud, il va chanter. Et chaque fois ça vire en méchant Birthday. Chanteur engagé, mon Dieu. Mon Dieu, ah, je pense moi-même souvent pour un chanteur engagé. Et je le suis jusqu'à un certain point, je dois l'avouer. J'aime les petites granoles et les applaudissements faciles. Que ce soit les lieux communs devant une foule d'imbéciles. J'aime montrer ma face quand il y a une cause sociale. Ça me permet d'envoyer souvent ma photo dans le journal. Mais ma main est bien plus souvent sur ma graine que sur mon cœur. Et j'ai pas mal moins soif de justice que d'exposure. L'époque des mammouths, les peintures dans les grottes, le prouve sans l'ombre d'un doute, les grosses avaient la cote. Au siècle de Rubens, ça se voit sur ses toiles, on aimait moins les minces que les monumentales. Mais tout a bien changé, on vit en Amérique, à l'époque numérique, et tout est plus tassé. Dans cet enclos d'obèses, où règne la frite sauce, une évidence s'impose, ce sont les maigres qui plaisent. Notre époque efficace exalte le miniature et les choses d'envergure n'ont plus tellement leur place. C'est la revanche de la petite branche aux dépens du rondin. À cette heure, la balance penche du bord qui pèse le moins. Sur moi, ce n'est pas une chose admise qu'on repousse les banquises. Mais quand arrive le temps de taquiner la truite dans les bars de rencontre, c'est rare que l'on s'excite autour des mastodontes. Seuls les physiciens ont encore assez d'audace pour dire que l'attraction augmente avec la masse. Et quand on va au vu, les rois du box-office offrent un mince contenu et de sveltes actrices. S'il y a quelques gros noms qui sont loin d'être maigres, ce ne sont que les exceptions qui confirment la règle. Mais bon, ça se comprend quand ils regardent l'écran. Le public se projette dans l'acteur, la vedette. Il veut donc des jambons et non pas des jambons, des boudins, des ladrons, des vieillards. Monsieur tout le monde réfute qu'il fustige la grosse. Il dit que c'est pas de sa faute et met les gènes en cause. Mais dès qu'elle touche une frette, le ton change, on la voit. Quel don, qu'est-ce qu'elle mérite, qu'elle a cherché son poids. Partout on stigmatise celle qui pèse trop lourd et qui rarement attise la flamme de l'amour. Moi-même je crois que les autres, moi aussi mes yeux brillent plus fortement les filles dont on discerne les côtes. J'entends les bien-pensants dire que ça les écœure. Le corps c'est pas important, ce qui compte c'est le cœur. Mais dès qu'ils veulent se mettre, même si je trouve ma lunette, me penche pour la grosse, quand désespoir de cause. Ils voudraient les pachydermes et les rhinocéros. Ils aiment quand on voit l'os saillir sous l'épiderme. Non, il n'y a pas d'espoir, aucune échappatoire. Quand on a trop de chair, on est marqué au fer. Résumé en bref, on aime moins ses connus. La femme avec un grand F quand elle a un gros cul. Voyez notre époque noyée dans le médiocre que la démocratie génère. Nous sommes jusqu'au cou englués dans la boue qui s'écoule des isoloirs. Regardez ces masses, leur ignorance crasse. Regardez ceux qu'ils ont élus. Oui, là j'en suis sûr, amis, nous sommes mûrs pour la dictature de la vertu. Les radios poubelles, leurs cracheurs de fiel et leurs idéologues de droite.
dont le verbe acerbe exacerbe la haine de la populace. On fait tant de ravages, causé tant de dommages, rendu le peuple si confus qu'il n'a plus assez de jugeote pour penser au vote. Mieux vaut la dictature de la vertu. Dans des camps lugubres, sombres et insalubres, on enverra les dissidents jusqu'à ce que leur âme secrète du politically correct conforme aux dogmes dominants. Le racisme, le sexisme et l'homophobie seront à jamais révolus sous ce régime de perfection ultime, la dictature de la vertu. Oui, ça urge, ça nous prend des purges, c'est notre seule planche de salut. La morale doit reprendre ses droits, la dictature de la vertu. Ce sont les mêmes abrutis dans tous les pays, ils appuient Donald Trump ou Le Pen. Ce sont eux qui rient du petit Jérémy en bouillant de rage et de haine. Il faut mater ce peuple grossier, inculté obtus, dont la bêtise monstre n'a belle qu'une réponse, la dictature de la vertu. L'amour et l'ouverture à l'autre s'imposeront à coups de massue et à grands coups de pied dans les côtes, la dictature de la vertu. Fini le règne des illettrés, ils ne s'effriront jamais plus. Les ténèbres se sont dissipées, la dictature de la vertu. Voici enfin la vraie liberté, la dictature de la vertu. C'est bien effrayant ces derniers jours, tant de drames secouent le milieu de l'humour. Roson s'est fait pogner d'une histoire de cul, et Daniel Johnson quittait le PLQ. Moi j'ai toujours préféré le chef sortant à Ding et Dong, Jean Chrétien et Guy Bertrand. Mais heureusement pour lui succéder, on a choisi un chef aux cheveux frisés. Et ce n'est ni Boule Noire ni Ronald McDonald qui a pris la tête du Parti libéral. Ses cheveux en boucle comme des cornes de bouc rehausse le look de ce plouc de Sherbrooke. C'est un frisé, frisé, frisé. C'est la risée, oui, mais c'est un frisé. Oh yeah! Charest soulève en nous des questions importantes. Est-ce qu'il frise naturel ou est-ce une permanente? Est-ce que c'est parce qu'il mange de la laitue frisée? Est-ce que son poil de poche est lui aussi bouclé? Moi, je pense que ses frisettes ne sont pas naturelles. Je me le suis fait confirmer par sa coiffeuse Gisèle. Elle est bien vivante et démontre par là que friser le ridicule ne tue pas. On m'accuse de ne rire que des cheveux de Charest, mais je rirais bien de ce qu'il y a en dessous s'il y en avait. Imaginez 4 ans, c'est long en calice quand le premier ministre est frisé comme un petit Saint-Jean-Baptiste. C'est un frisé. Frisé, frisé, c'est la risée, oui, mais c'est un frisé. Hey, look at this jerk with the curly hair. Assez d'excès de langage, revenons à la normale. Pour qui on va voter, si on ne peut plus voter libéral. Depuis que Johnson est parti, ma foi, on n'a plus qu'un frisé et une jambe de bois. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a plus beaucoup de choix. Non, mais sérieusement, il nous reste rien qu'une option. C'est de voter pour Mario Dumont. C'est un têteux qui tête et quand il perd, ça suce. Au moins, on est en présence d'un consensus. Mais revenons à notre mouton et une dernière fois, chantons pour la momona momote venue d'Ottawa. Ses cheveux en boucle comme des cornes de bouc. Rehausse le look de ce clouc de Sherbrooke. C'est un frisé, frisé, frisé. C'est la risée, oui, mais c'est un frisé. Encore une fois! C'est un frisé, frisé, frisé.
salarisé. Oui, mais c'est un frisé. Chez le camionneur qui broute son sandwich dans le casse-croûte à la sortie d'autoroute, rien. Chez le déneigeur aussi qui travaille toute la nuit à déblayer les sorties, rien. Chez le gars qui départage les bouteilles et les canages dans l'usine de recyclage, rien, rien, rien. Chez le camelot qui se lève tôt, rien. Chez le comptable à son bureau, rien. Chez le plombier qui se penche la tête dans la cuvette blanche pour y réparer la clanche, rien. Chez le coureur olympique, chez le vieillard arthritique, chez l'expert en mécanique, rien. Chez la danseuse de ballet, la fille qui est au guichet et celle qui déchire les billets. Chez la bibliothécaire qui remet le dictionnaire sur la troisième étagère. Rien, rien, rien. Dans la maison qui sommeille, rien. Chez le gardien de nuit qui veille, rien. Et la gorge qui se noue quand on pense qu'au fond de nous et qu'au bout de tout il n'y a rien, rien, rien. Chez le livreur de pizza et chez le gars qui reste en bas. Chez le mineur dans la mine, le ministre en limousine, la maman dans sa cuisine, rien. Chez le gars sur le bien-être, chez la blonde du contremaître et la vieille qui regarde par la fenêtre, rien, rien, rien. Chez le pompier à moustache, rien. Chez le voleur qui se cache, rien. Chez les flots qui nous regardent et qui relèveront la garde pour que se perpétue la marde, rien. Analyse les chansons que j'écris pour en dégager ma philosophie. Veux-tu même dire que c'est qui leur prend à chercher là-dedans quelque chose de cohérent? Si un moment donné je dis une affaire, ça veut pas dire que je sais vraiment pas dire le contraire. Puis vous savez quoi? Je m'en contrebalance, c'est mon droit le plus strict à l'incohérence. Wow! J'ai pas de vision de la vie à promouvoir, ni d'opinion politique à faire valoir. Non, je n'érige pas d'édifice théorique. Ce que je chante au public défie toute logique. Ceux qui prennent comme sujet pour leurs travaux d'école les paroles sans queue ni tête de mes tonnes mongoles, on conclut chaque fois que rien de ça n'a de sens, que tout ça n'est qu'un tissu d'incohérence. L'autre jour à la radio, j'étais en entrevue. J'ai encore aligné des phrases décousues. J'ai dit rien que des affaires qui tiennent pas de bout et fait s'effondrer les cotes d'écoute. Mais fuck, si vous voulez quelque chose qui se tienne, baissez vos culottes, donnez-vous la graine. Moi j'en ai mon casque de vos remontrances et je crie bon droit à l'incohérence. Oh yeah! Ah! 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 Ah!
bernus qui ont la berlue. Tous ceux qui tiennent des propos confus, ceux qui changent d'idée comme ils changent de chemise, ceux pour qui toutes les votes face sont permises. Tous ceux qui parlent à travers leur chapeau, tous ceux qui sont toujours hors propos, ceux qui font pas ce qu'ils conseillent aux autres de faire. Moi, je suis des vôtres, moi, je suis votre frère. Wow! Oui, mon droit à l'incohérence, je l'exerce vivement. J'suis pas un modèle pour la jeunesse. Oh non, j'fais rien pour le progrès social. Moi, j'suis plutôt du genre bien-être social. Quand je sors ma guitare et que je bugle, c'est du gros n'importe quoi jeté à l'aveugle. Un manger donc de la merde, un fuck you immense, jeté à la face de la cohérence. Wow! Que vous n'y voyez qu'une bouillie vide de sens, une manifestation précoce de démence. Rien à chier, sacré moins patience. Moi j'exerce mon droit à l'incohérence.